Le jeudi 12 mars, Laura et son fils rentrent d'un séjour en métropole. Trois jours plus tard, elle est hospitalisée d'urgence. Son test de dépistage au Covid-19 est positif. Je pense avoir attrapé le Covid-19 lors de mon séjour à Paris, où j'ai séjourné pendant 15 jours avec mon fils. Les premiers symptômes sont apparus trois jours après notre arrivée. Donc j'ai eu une toux sèche, des courbatures, beaucoup de courbatures et un gros mal de tête. J'ai attendu le lendemain, donc c'était un lundi. J'ai appelé mon médecin traitant qui, elle, m'a suspecté le coronavirus. Entre contrôles médicaux, prise de médicaments et repas, les journées de Laura sont longues. Méditation, défis sur Internet ou encore lecture, des moments qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Jusqu'à hier, je me battais encore contre la fièvre. C'était assez dur parce que c'est fatigant. Maintenant, ça va mieux. Toujours un peu de toux, mais tous les autres symptômes ont disparu. Il y a des symptômes qui sont apparus il y a deux jours. Donc j'ai perdu le goût et l'odorat, ce qui est assez bizarre comme sensation. Mais les médecins me disent que ça va revenir. À son arrivée dans le département, Laura n'a pas été placée en quatorzaine. Il n'y a eu aucun contrôle. Maintenant que le confinement est en vigueur, elle rappelle l'importance de respecter les mesures pour éviter la propagation. Les conseils que je peux donner à la population, s'il vous plaît, restez chez vous, s'il vous plaît. Ça sauve beaucoup de vies. Voilà, je pense que j'ai eu de la chance, il m'est rien arrivé de grave. Je suis toujours là, en forme, je peux vous parler aujourd'hui. Et je viens juste même de voir le médecin qui m'a dit que j'ai passé la phase... on va dire dangereuse au niveau des poumons. Donc voilà, je suis rassurée et je sais que je vais bientôt rentrer à la maison. Laura va mieux, elle n'a plus de fièvre, elle espère sortir dans les prochains jours pour pouvoir retrouver son bout de chou qui fête ses 10 mois aujourd'hui.